Hello and welcome, fantastic to have you here. Salut, bienvenue et bienvenue aujourd'hui pour un projet un peu spécial. C'est un manche de couteau ou d'épée ou de je sais pas quoi que je vais envoyer à Alex Steele. Je me suis mis d'accord avec lui à Make Essential, donc je lui ai envoyé un manche que je vais fabriquer. Il verra bien s'il l'utilise ou pas, j'espère bien qu'il va l'utiliser dans un de ses projets. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'un peu spécial. Alors pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore Alex Steele, allez voir sa chaîne, je vous mets un lien là-haut, c'est un forgeron formidable. Et sa forge est formidable, ses films sont formidables, et puis c'est un mec qui donne la patate, qui donne envie de faire des choses, allez voir. Moi je vais lui fabriquer un manche d'outils avec du buis. Alors c'est du buis que j'ai récupéré en Bourgogne. Et en fait, le buis en ce moment est attaqué par la pyrale qui fait qu'ils crèvent tous les uns après les autres. Et donc, il y a du stock de buis qui est facile à trouver. C'est un bois qui est très agréable à travailler, même si j'en ai pas travaillé beaucoup. On trouve toujours ça dans des toutes petites sections. Les plus grandes sections, ça doit être 1 mètre de long et puis gros comme la cuisse, quoi. Moi, j'en ai des petits bouts. Ça sert exactement pour faire des manches d'outils, des manches de ciseaux à bois, des manches de tout un tas de manches. Et je vais faire des inserts. Donc je vais le fendre en deux, ce bout de buis. Et au milieu, je vais insérer un mélange de frêne et de noyer qui va être en damier. Donc je vais faire un petit damier qui va apparaître soit dessus et dessous, ou soit sur le côté. Ça dépend comment il va tourner son manche. Et donc voilà, il y aura du collage, pas mal de collage, et puis pas mal de rabotage. Allez hop, à l'affûtage. Alors tous les petits bouts de buis que j'ai, ils sont tous un peu fendus. Vous voyez, celui-là, il est fendu sur tout le long. Donc il faut que je leur fasse un plat pour pouvoir les rescier, de toute façon. Donc je vais tout faire, et puis ça me permettra de choisir. J'ai fait un plat à mes petits bouts de bois et je vais les refendre au milieu. Donc il y en a certains où ça tombe mal avec la fente, donc je vais faire pour le mieux avec ce que j'ai. On verra bien. Là la fente elle est sur le dessus, donc
Je sais pas encore. Il faut fendre pour voir ce que ça donne. Alors voilà mes 5 bouts de bois. Au milieu, là, il va y avoir un insert en frêne et noyer en bois de bouc qui sera collé, assemblé et collé. Donc il faut que j'essaye de piocher le meilleur compromis entre la longueur disponible, les fentes. Voilà, celui-là, il est fendu, donc celui-là, il va pas marcher. Mais je vais bien trouver. Alors, je vais aussi m'occuper du damier qui va être constitué de frêne, du frêne blanc, qui est plutôt joli, et d'un bout de noyer. Donc, il faut que je vire la partie pourrie là sur le bord. Mais là, on a une belle section de cœur qui est bien marron, bien jolie. Allez, en avant! À fond et vitesse au minimum.
c'est la fin de la partie 1 avec ce premier collage. Demain, je redécoupe tout et je recolle tout ensemble avant de faire l'assemblage avec les deux demi-lunes de buis. Allez, à bientôt.